Hey, salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Parasite. Voilà, hop, c'est parti, donc on était en minage, on continue le minage. Il y a du lapis ici, parfait pour la table après. On a trouvé pas mal de diamants dans le premier épisode, on a réussi donc à se faire déjà le Diamond Chestplate. On a l'enchantement, on a pas mal de choses méga sympathiques qui vont nous permettre de prendre une avance considérable. Et j'entends des araignées depuis tout à l'heure. Il y a une faille aussi au-dessus qu'on va devoir aller explorer. S'il y a un main shaft, c'est incroyable. Ok, ça c'est... Ah, c'est une araignée normale. Ok, bon, ça a pété au moins. J'ai pas pris de dégâts. Déjà de 1. De 2, buter le bébé zombie. De 3, faire ça pour éviter que le squelette ne me tire dessus. Quoi? Oh, l'araignée! L'enfoiré qui arrive par derrière. Ok, il y avait de l'or, il y a la suite. Ces caves sont géantes. Je pense que je vais faire tout mon cave-in dedans. Allez, prochain épisode, on a les rôles. Je vais prendre des flèches déjà d'avance. Le zombie, là, ici, il est bloqué. Je vais descendre par là, faut pas que j'oublie la faille. Faut surtout pas que j'oublie. Il y a des trucs en dessous, je vais y aller. Tiens, meurs. Oh, mais elles sont géantes ces caves, tu veux que je fasse quoi là? Il y a de l'or partout en plus, j'ai l'impression. Dès que je tourne un couloir, il y a de l'or. Bon, attends. Là, j'y suis allé ou pas encore? Là, c'est l'endroit où je suis pas. Attendez, mais. C'est quoi ce dédale là? J'ai l'impression d'être dans l'antre du Minotaure là. En plus, il y a plein de mobs. J'espère qu'il n'y en a pas un autre dans mon dos là. Oh, j'avais bien call le truc. Et après ils essaient de me pousser dans le vide, ces bâtards. J'ai pas l'impression qu'il y ait de diamants, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de zombies. Ok, il y a vraiment beaucoup de zombies. Et là il y en a encore un autre. Franchement, s'il n'y a pas un spawner à côté, c'est chelou. J'entends encore. Je pense qu'il y a un spawner à côté. On peut se mettre bien avec le spawner s'il y a un livre enchanté ou un truc comme ça dedans. Je vais aller voir ça de ce pas. Parce que c'est pas normal tous ces zombies là quand même. Or c'est juste la génération naturelle qui est foireuse. Hein. Ok, non je suis déjà allé là. Alors attends, je regarde juste s'il n'y a pas de Williams. Parce qu'on sait jamais. Hein, on peut être planqué n'importe où, non, il n'y a rien ici. Mais c'est bizarre, pourquoi il y avait 15 milliards de zombies là? What the fuck? Ça me rappelle mon épisode 2 de Mastermind de survie où il y avait 15 milliards de zombies là sur Minecraft Wii U. Par là, j'y suis sûrement déjà allé. Là, par contre, j'y suis pas allé. Et je vois qu'il y a plein de zombies encore une fois. Qu'est-ce que c'est? C'est l'antre du zombie là, l'antre de la bête? Je vais tomber sur un zombie géant à la fin. Ça va être le final, le bouquet final du truc. Je vais avoir plus d'un stack d'or. Hein. Qu'on soit très clair là-dessus. Plus d'un stack d'or. Heureusement, j'ai pas mal de... Oh, j'ai un arc. Un peu pété, certes, mais j'ai un arc. Le nombre de modes est clairement abusé. Surtout les squelettes contre lesquels tu peux finalement pas faire grand-chose. Surtout quand il y en a un qui te surprend. Alors, je suis pas contre que c'est bien de... Mais quoi? Attends, le squelette, il me fait perdre un cœur avec une flèche. Mais quoi? Mais attends, mais c'est... C'est quoi ces squelettes du millénaire, là? J'ai jamais vu ça de ma vie. Le squelette, il te met ses flèches. Et là, il y a deux Enderman. Là, il y a des creepers. Attends, mais c'est quoi ça? C'est PVE, là? On est en train de me... C'est un test. Un test de joueur survie, non? Je suis allé par là, encore? Non, de TP et tout. Oh, là, là-bas, il y a deux squelettes. J'ai pas envie de m'y frotter. De m'y frotta. Tralali, tralala. Ok. Ok, bon, il n'y a pas de diamant ici. En tout cas, pas de ce que je vois en apparence. On va aller là. C'est beaucoup trop grand pour moi. On est en bas. Ok, là au-dessus, je crois qu'il y a la grotte où on était avec 15 milliards de mobs. Je crois que c'était juste au-dessus. Ah, j'ai perdu la faille du début que je devais explorer, hein. Là, je le dis très clairement. Je l'ai perdu de vue. Ok, la grotte là où il y a tous les mobs, elle est juste au-dessus. Pas grand-chose. Ah ouais, par contre, ça serait bien de trouver des trucs à un moment donné, parce que là, depuis tout à l'heure, c'est vrai que la quête me propose... Oh, j'en ai marre. Heureusement que j'ai beaucoup d'or, hein, mais il y a vraiment énormément de mobs. Faut que je me réussisse aussi de bien couper l'épisode de mon endroit, parce que l'épisode d'avant, je l'ai fait déborder de 1 minute. Là, ce serait bien de le terminer tard. Tout ça. Tout sauf ça, là, on va éviter, tu vois. Oh putain. Voilà. Vous voulez surtout pas qu'il me... Attends, par contre, là, l'autre folle, si elle m'empoisonne, je suis dans la merde. Hein. Ok, je pense que cette cave ne mène à rien. Ouais. Je vais commencer à me faire des gaps, tu vois, parce que c'est pas de je suis inquiet, mais j'aimerais pas crever, voilà, pour une connerie. Juste avant, en plus, les rôles, là, qui arrivent très bientôt. Ma mort pourrait être assez dommage, quoi. On pourra dire, assez dommage, assez dommage. Will Boss est mort ici. J'ai pas envie que ça se finisse comme ça, très honnêtement. On va essayer, on va essayer que non, ok. Allez, on va y aller. D'ailleurs, j'ai de quoi faire la table, on va peut-être la faire maintenant, hein, comme ça au moins c'est fait. Ok. 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 Ça c'est fait. Donc l'obsidienne, je vais aller le laminer tout de suite. Je vais prendre l'or qui reste. Voilà, parfait. Je vais faire les gaps qui restent. On va se faire l'enchante. Et tout sera bien. Qui finit bien. Là-bas, il y a encore un zombie. Décidément, on me poursuit. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces caves? Regardez ça, il y a deux zombies qui sautent là. Ils étaient pas là il y a 2 secondes. Allez, j'ai l'impression d'être en hardcore. Mais ouais, c'est l'ultra hardcore. Du coup, il y a peut-être plus de mobs. Du coup, la génération des mobs a été augmentée. Je sais pas, mais what the fuck, hein. La witch tout à l'heure, surtout, je m'y attendais pas. Faut que je la full crit. Voilà, bah, il y a deux là. Deux mecs bien décidés à rester sur leurs appuis. Enfin, je trouve un petit lac de lave là pour pouvoir miner mon... Ok. D'où l'intérêt de torcher ces caves, ne faites pas comme moi. C'est juste qu'en UHC, ça fait perdre juste un temps mémorable. Là, je stresse juste pour des bobs. Hein. En UHC, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Hein. Mais gros, là, j'ai des caves. Oh, j'aime pas cette situation. Je suis au bord du précipice avec des trucs qui peuvent me pousser derrière à tout moment. Hop là, il y en a. Comme je l'ai dit, heureusement, il y a pas mal d'or. Hein. Putain, j'ai eu que ça. Mais encore? Encore toi, là? Tu te casses, ok? J'ai dit tu te casses. Tu te casses maintenant. Et là, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Bon, allons chercher, du coup. On va se farmer le psy, là. Allez, c'est décidé. What? Il remonte. Casse-toi. Je t'ai pas dit de remonter, moi. Est-ce que tu m'as entendu te dire que je voulais que tu remontes? Non. J'entends encore des mobs. Ça crie de partout dans ces caves. C'est la salsa du démon. Ça aura le temps en tout cas un caving haut en action. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est bien d'accord. Ça je jette. Et on est parti pour les minutes les plus passionnantes de toute ma vie. Ok bon, du coup c'est de quoi faire l'enchante. Ok, mince, c'est plutôt ça que je voulais faire. Ok. Ok. Enchanting table. Et du coup, bah là, on peut commencer à s'enchanter. Ok, 36 de fer, 23. Je vais voir juste combien ça fait. 3e, hein. Ouais, c'est chaud, là. C'est chaud, même niveau fer. J'ai même pas de quoi me refaire une épée quasiment. Ouais non, à part que je... Là je vais pas être prêt à remonter. Hein. J'ai vraiment eu des caves infâmes, des mobs partout. Pour s'en sortir c'était clairement trop chaud. Bah c'est vrai que c'est un peu relou quoi de rien trouver là. Tout à l'heure c'est quand même un peu le seum. Hein. C'est des caves immenses et y a rien dedans quoi. Genre là je te parie y a rien non plus. Ah non y a rien. Genre vraiment, il n'y a que dalle. C'est juste bourré de mobs qui te cassent les pieds. Mais il n'y a rien d'autre. C'est une blague. Je retourne pas là-dedans, moi. Je ne retourne pas là-dedans, vous m'entendez? Je ne retourne pas là-dedans, c'est mort. Adieu la faille du début. Mais attends, mais c'est quoi ça? Vous avez vu? Vous avez vu? On se laisse là du coup. Salut, on se retrouve pour les rôles juste après. À tout de suite les gars. Et bien voilà, fin de l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour l'épisode 3, un épisode fatidique, car c'est dans cet épisode que nous aurons notre rôle. Vais-je être humain, médecin, virus ou détective? Nous allons donc voir tout ça, j'espère avoir de la chance au niveau du rôle, mais également de la chance au niveau du minage, parce que pour l'instant on va pas se le cacher, on n'a pas un stuff de ouf. Je vous souhaite une excellente attente, et je vais vous dire à très bientôt, c'était Will, bye bye.